pas seulement l'équation de l'antivie, tu es l'équation de l'antivie. Luthor, on dirait que j'avais un train à prendre. Quoi? Alors c'est pour ça que Darkseid a kidnappé le nouveau? Ton nouveau détient le dernier fragment de l'équation de l'antivie. Si Darkseid met la main sur l'équation, l'univers tout entier est totalement condamné. Bien joué, Luthor. Moi-même, je n'aurais pas pu faire mieux. En ton absence, il fallait que quelqu'un intervienne pour prendre les choses en main. J'étais à deux doigts de débarrasser ce monde de tous ces criminels. En parlant de ça... Mais lequel d'entre vous n'aurait pas fait la même chose s'il s'était trouvé à ma place? Pas vous, eux. Oui, c'est peut-être vrai. Oui, il n'a pas tort. Si Darkseid est retourné sur Apocalypse, je peux utiliser le générateur de tunnel Boom à l'ex-corp pour nous y envoyer. On pourrait déjouer une partie de leur sécurité. Tu penses pouvoir le faire? Je suis Lex Luthor. Bien sûr que je peux le faire. On doit agir vite et récupérer le nouveau. Renvoyer Apocalypse d'où elle vient ne servira à rien si Darkseid complète l'équation de l'antivie. C'est vrai. J'espère juste qu'on le retrouvera à temps. Ce n'est pas exactement ce que j'espérais, mais à défaut, ça fera l'affaire. Ici Lois Lane, je suis en direct des rues de Métropolis. Avec leur pouvoir, les vilains de la Terre vont prêter main forte à nos héros. Alors espérons que leurs chamailleries habituelles ne perturberont pas la Ligue des Justiciers dans leur combat contre Darkseid. Si Darkseid parvient à extraire l'équation et à s'en emparer, on pourra dire adieu à la Terre et probablement à l'univers tout entier. Le monde retient son souffle patiemment. C'est bon, Lois. Dis-moi, si jamais c'est vraiment la fin du monde, tu crois que Perry m'augmenterait pour l'ultime semaine sur Terre? Essaie toujours, tu n'as rien à perdre. Bon, et maintenant? Je peux me servir de ça pour inverser l'énergie et pour renvoyer Apocalypse. Mais seulement quand on aura le nouveau. Lex, j'ignorais que tu l'appréciais. On va devoir faire vite avant que Darkseid obtienne ce qu'il veut. Séparons-nous. Ça ne sert à rien qu'on cherche tous au même endroit. Le premier qui trouve le nouveau, gagne un gâteau. Ah, pardon, l'habitude. On l'a trouvé, on dirait. À nous le gâteau. Le nouveau. Bientôt, nous aurons extrait le tout dernier élément de l'équation, Seigneur. Excellent. Et alors le pouvoir absolu sera enfin à moi. Les humains nous attaquent. Ils viennent donc. Personne ne peut m'arrêter. Tu crois ça? Je ne pense pas qu'on se soit jamais rencontrés. De Saad, qui est cet insecte? Je suis Lex Luthor, le plus grand génie du mal de cette terre et de toutes les autres.
Et tu t'es emparé de l'un de mes collègues. L'univers sera bientôt à moi. On arrive juste à temps. Notre mystérieux ami est dans cette cellule devant. On va devoir trouver un moyen de la désactiver, mais ça va pas être facile. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Ça ne va pas être facile, loin de là même. Laissez-moi vous présenter une de mes dernières inventions. Content qu'on ait détruit son petit joujou. Voyons si on peut le transformer en quelque chose de plus utile. Un moyen de m'occuper de ça. Nulle part, misérable créature. Rien ne se dressera sur le chemin du maître incontesté de l'univers. Et c'est reparti. Excellente nouvelle. Vous allez être les premiers à tester le prototype de ma nouvelle arme, encore plus puissante. Oh, quelle chance. Elle est peut-être plus puissante, mais je suis sûr qu'elle n'est pas indestructible. Essayons de trouver son point faible. Débarrassons-nous de lui avant qu'il attaque à nouveau. Euh...
du palais. Allez-vous-en. Moi, il est plus rapide qu'il en a l'air. Essayons de trouver un moyen de libérer notre ami. Sois encore de Saad. Je m'occuperai de toi plus tard. Pour l'instant, je dois prendre soin de nos invités surprises. Je t'attends, Darkseid. Il ne peut y avoir qu'un seul vrai génie du mal. Comme tu voudras, Luthor. À toi prêt. Vous serez les témoins de ma glorieuse ascension. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Mon règne débutera bientôt. Il est question de retenir mes coups. Chose me dit que les attaques directes n'auront aucun effet sur cet affreux. Tu as raison. On doit construire un dispositif capable de désactiver son armement. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, pendant qu'il se remet ! Aucun contre-temps ne saurait arrêter Darkseid. Si tu veux éclairer ma lanterne, c'est maintenant, Al. Je devrais pouvoir créer une construction capable de l'éliminer. Je vais devoir concentrer mon énergie lanterne pour ça. Je n'ai rien compris à ce charabia. Je me fiche de ce que tu as en tête. Fais-le. Assez joué. Préparez-vous à mon... Non. Je suis invincible. Génial. Nous avons extrait le dernier fragment. Oui. Oui. Bien sûr. C'est tellement simple. Je comprends tout maintenant. Il l'a. L'univers entier est condamné. Oh, j'avais rien de prévu, de toute façon. La lanterne, arrête de rêvasser et attrape le nouveau. Allez, bonne chance. Ah, il a filé. Pourquoi on lui a fait confiance? Ah. Je n'aime pas les héros de leurs super pouvoirs, mais ils sont utiles parfois. Il ne faut jamais sous-estimer Lex Luthor. Misérable petit insecte. Harley, élimine-les. Allez, vous avez entendu Batou? Allons montrer à cet horrible caillou de l'espace qui sont les véritables vilains. Ah, vous êtes fichus cette fois. L'équation de l'antivie est enfin à moi. À moi. Sale galet dégénéré, tu n'as pas encore gagné. Et on n'a pas l'intention de te laisser faire. Oui. Oui, venez à moi, mes paradémons. Servez votre maître Darkseid. Détruisez les inconscients qui osent se dresser contre moi. Prosternez-vous devant Darkseid. Tu ne pourras pas rester ici très longtemps. Ces attaques vont finir par avoir raison de nous.
À moins que ses attaques aient raison de vie. Essaie de l'obliger à tirer sur ce qui nous entoure. Il détruira peut-être quelque chose qui pourrait nous servir. Voici un petit aperçu de mon pouvoir. Je... Toi, obéir. Obéir. De Saad, crétin. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée? Eh ben, c'est pas comme si les bonnes idées fusaient en ce moment. Oh, quel outrage ignominieux est ça? Oh. Je sens mes pouvoirs grandir encore. Restons en mouvement. Ses propres attaques finiront peut-être par causer sa perte. S'il y a une chose qui ne peut pas égaler, c'est notre vitesse. Votre défaite sera le premier d'une longue série d'échecs. Est enfin venu d'affronter cette soi-disant menace. Ah, le célèbre Pétadam. Tu viens pour me défier? Non, je viens pour te battre. Ah, j'en doute fort. Je vous tiens. Darkseid est puissant, c'est vrai. Mais en joignant nos forces, nous pourrons peut-être stopper sa progression. D'accord. Mettons-nous au travail. Moment de vérité. Ah, sale petit insecte, tu vas me le payer. Ah.
Te voilà, Darkseid. Je vais enfin pouvoir te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Le pouvoir de la peur. Ta minable force cosmique ne peut rien contre mon équation de l'amphibie, Mutro. Les lanternes ne m'ont jamais su égaler mes pouvoirs. Pourquoi est-ce que cette fois serait différente? Plus un pouvoir est grand, plus on... On devrait peut-être se détendre un peu, non? Sinestro, qu'est-ce que tu as dit à propos de la peur? Y a-t-il un moyen de l'utiliser pour retourner son propre pouvoir contre Darkseid? Il y a toujours un moyen. Quand j'aurai concentré l'énergie de mon anneau, je créerai la diversion. Ça marche! On a peut-être une chance après tout. Continuons à l'attaquer. On doit forcément pouvoir utiliser autre chose. Solide. Luthor, ramène-nous à la surface. Pourquoi? J'ai complété toute l'équation. Je connais tous les secrets de l'univers. Pas tout à fait. Je pense que notre ami ne vient pas de notre univers. Quoi? Le nouveau est apparu juste avant le syndicat du crime. Ce qui suggère que cet étranger superpuissant vient de Terre 3. Quand le nouveau a absorbé l'énergie de la boîte mère, elle a été affectée par son pouvoir de Terre 3. Tu veux dire qu'elle l'a rendu gentil? Comment sais-tu ça? Je suis le plus grand détective du monde. Mais pardon. Quelle monstrueuse insanité! Non, je ne dois pas. Sourire! Mais qu'est-ce qui m'a pris?
Ils sont adorables. Hé, je peux jouer? Ouais. Je peux rester votre chef? On mangera tous du gâteau. J'adore le gâteau. Je veux un château. Oui. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. La paix ne durera peut-être pas, mais ça vaut le coup d'essayer. J'espère que vous allez rester pour le goûter. On doit y aller. Luthor, tu es là? Darkseid a été neutralisé. Ramène-nous pour qu'on puisse renvoyer cette planète à l'autre bout de la galaxie. Ah. Ouais, je pourrais faire ça. Luthor? Tu vois le truc, Superman? C'est que j'ai réussi à tous vous réunir à un seul endroit. Cette fois encore, j'ai la possibilité de me débarrasser de chacun d'entre vous en appuyant simplement sur un bouton. Oh non, il recommence! Luthor, non! Peuple de Métropolis et de la Terre, moi, Lex Luthor, je vous ai débarrassé de Darkseid et de sa planète volcanique. En échange de mes services de défenseur de la Terre, je réclame juste le titre, disons, d'empereur. Oh, quel dommage. Vous oubliez que tous vos héros préférés ont bel et bien disparu. Ça, c'est ce que j'appelle un moyen de transport. Salut. J'expliquais justement à ces braves gens l'immense sacrifice que vous aviez fait. Non, il ment. Vous allez nous suivre sans faire d'histoire? Vous allez m'arrêter? Tu es un criminel en fuite, tu te souviens? Et le nouveau, alors? Il a joué un rôle central dans le sauvetage de la planète. Et il ne nous a pas laissé moisir à l'autre bout de la galaxie, lui, au moins. Mais il a pris part à des activités criminelles. Comme un pro. Et c'est tout? Tu ne vas pas lui laisser une chance de se racheter, Batman? Nous valons bien mieux que ça. Tu pourrais te joindre à nous et lutter pour un monde meilleur. Ou tu pourrais... Oui, tu pourrais aussi te joindre à nous et bien plus t'amuser. Bon, Lex, étant donné qu'on ne peut pas te faire confiance, on devrait peut-être demander au nouveau d'être notre chef. Et si on avait discuté de tout ça à la base? Je déteste avoir raison.